là-bas, c'est le 10e jour de l'aventure. Réveil à Denizli. Alors ce matin, le programme, c'est que je vous amène à Pamukkale. Pamukkale, c'est des sources d'eau chaude. Et pour ça, je vais prendre un dombus. Alors le dombus, je vous explique, c'est un petit bus domestique qui t'amène à peu près où tu veux, aux alentours d'une grande ville, là par exemple à Denizli. Et j'ai à peu près 20 km à faire, donc là j'attends mon dombus pour Pamukkale. C'est parti. Alors nous voilà donc à Pamukkale, qui signifie le château de coton en turc. Du haut de ces falaises descendent des sources d'eau chaude et forment des bassins naturels d'une blancheur éblouissante, dira-t-on. Et ça, nous le devons au calcaire présent dans l'eau. Alors pour éviter de faire trop de route entre Selçuk et ma prochaine destination, j'ai décidé de m'arrêter à Pamukkale. Mais au début, je voulais pas faire le site de Pamukkale car il était beaucoup trop touristique. Mais j'avoue que c'est vraiment très impressionnant et vraiment très très beau. Juste au-dessus de Pamukkale se trouve l'ancienne cité thermale romaine de Hierapolis. Durant l'Antiquité, les Romains avaient établi un village ici et aujourd'hui il en reste que des ruines.
tout seul à Hierapolis. Bon, tu vois, c'était ce genre de scène que je voulais éviter à Pamukkale. Bon, j'espère qu'on verra quelque chose dans mes vidéos, parce qu'avec la réverbération qui tape sur le blanc avec le soleil, je ne vois rien du tout, ça me nique les yeux. Donc voilà, un conseil, si vous venez à Pamukkale, venez très tôt le matin avant 11h pour éviter ce genre de scène.